Bon, il est l'heure de faire la petite accélération. Bien sûr, on va se mettre en mode sport plus. On va activer un petit peu tous les paramétrages de cette voiture. Suspension, direction, réponse moteur, boîte spécifique. On va voir que ça va arracher le bitume. Allez, on se retrouve tout de suite. Bonsoir à tous les amis, ce soir je vais vous présenter de nuit ce que vaut cette Mercedes. Petite animation de nuit, cette calandre Panamérica spécifique hein, sur les AMG, mais ce soir c'est pas ça qu'on va faire. On va pas faire le tour extérieur parce qu'il y a un essai qui existe et qui existera déjà sur cette voiture. On va rentrer juste après à l'intérieur. Vous allez voir que c'est plutôt sympathique dans cette mise à jour W213, nom de code pour cette Mercedes E63 S-AMG V8 biturbo Formatic Plus. Regardez l'intérieur. Allez, ça c'est juste après. À l'arrière, pas d'animation des feux, pas de feu même progressif. On est sur quelque chose d'assez basique. Et à l'intérieur, je vous emmène. Bien sûr, regardez, ça c'est super beau. C'est ce qu'on a le droit de voir, les passagers à l'arrière, confortablement assis sur ce joli cuir marron brun avec ces petits tapis AMG. Allez, on passe tout de suite à l'avant. C'est parti. Admirez ce seuil de porte rétroéclairé AMG. Là, c'est vraiment le haut de gamme. À l'intérieur, on ne le voit pas forcément de nuit, mais on a des inserts en carbone. On a du cuir même matelassé ici sur les portières, les contreportes. C'est super beau. Ici, on a une ligne de LED qui peut se paramétrer hein, sur des couleurs à l'infini. Une autre couleur ici, deux niveaux de couleurs. Siège réglable avec ce petit liseré rétroéclairé. Siège chauffant et ventilé, bien sûr, Sono Burmaster de haute qualité. Bref, à l'intérieur, c'est presque le grand luxe avec ces sièges AMG, massant. Bref, c'est vraiment le top, vraiment. Alors, je vais reculer un petit peu les sièges. Ça, c'est plutôt sympathique, pratique. Siège à 3 mémorisations. On va allumer la lumière, regardez. Hop, comme ça, normalement. Voilà, un peu comme chez BMW, vous êtes bien chez vous. Alors j'ai mis le grand angle juste pour que vous puissiez voir un petit peu l'immensité hein, de ce tableau de bord. Regardez, avec le geste, je suis en communion parfaite. Ça c'est plutôt une bonne chose. Regardez un petit peu l'intérieur, ces sièges en cuir, full cuir. Ici pareil, on a du cuir, on a vraiment du haut de gamme. Ici on a du carbone, ça c'est vraiment le top. Carbone, aluminium, bref, on n'a que des matériaux nobles. Bien sûr, le petit badge AMG et surtout sur cette deuxième phase de génération de Mercedes classe E63 S-AMG. On a bien sûr, hop, le nouveau volant qui intègre ces deux boutons lumineux où on peut choisir les modes de conduite sport, sport plus, race. On va faire le détail de tout ça parce qu'il y a énormément de choses à dire. Le mode neige, très important si vous voulez la nuit, sur la neige, pardon, avec ce bolide, ce break surpuissant, clairement. 612 chevaux quand même sous le capot. Et on a 850 Nm de couple. Mais ça, on verra vraiment dans l'essai détaillé. Pareil ici, je peux sélectionner les différentes fonctionnalités. Alors, c'est vraiment des petits raccourcis. Ça peut faire gadget pour certains. À l'intérieur, c'est pas forcément la grande folie. On est plutôt sur une berline routière ou un break routier. Voilà, ici, vous avez l'habitude maintenant de voir hein, cette interface avec ces deux écrans collés quasiment. On a l'impression que ça fait qu'un seul bloc. Et puis, vous avez l'affichage spécifique sur cette AMG 63. La 53S n'aura pas, pardon, la 53MG n'aura pas ce type d'affichage. Là, on a vraiment sur du full option. On a pratiquement 26 000 € d'options. Puisque j'aime bien, moi, c'est ça. Hein. Voilà. Alors oui, vous allez dire en commentaire, ils ont copié un peu sur BMW. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont liées à la gestuelle, mais par contre, ça, j'ai pas réussi à trouver. Bon, bah, vous avez
l'éclairage d'ambiance ici, bon, ça c'est pas une nouvelle, vous connaissez, on peut choisir la luminosité avant, arrière, des visuels, tout ça, tout ça, ça. On peut faire le massage, ça c'est plutôt une bonne chose, un massage du dos, massage des épaules. On a plein de programmes de massage, c'est absolument incroyable. Et c'est vrai qu'on peut même s'y perdre à travers tous les menus, on peut régler le soutien lambert, on peut avoir une autre cinétique des sièges, donc ça vous permet de rester un peu éveillé dans votre siège, on peut avoir les sièges chauffants. Bref, il y a plein de choses paramétrables, comme ce pack Energizer Confort, hein, qui est un pack qui est facturé quand même 4 500 €. Donc ça commence à faire. Et puis on a différents programmes. Je ne vais pas les faire parce que sinon la vidéo va durer plus de 3 heures. Ça, c'était dans le menu confort. Oui, il y a plein de menus partout. On a un menu qui peut être sympathique. Alors ça, on connaît. Menu spécifique à cet AMG, c'est le Track Pack. Alors, comme nous indique ce joli message, attention à l'utiliser uniquement, bien sûr, quand vous voulez faire du circuit, parce que oui, c'est possible de faire du circuit avec cette AMG 63S. Alors, ce qui est plutôt sympathique, c'est que clairement, il arrive à détecter dans les environs s'il y a un circuit ou pas. Et derrière, vous pouvez faire plein de choses. Donc, véritable course avec ce gros break qui fait presque 2 tonnes sur la balance. Puis là, vous avez plein de mesures, plein d'indicateurs, plein de métriques pour voir un petit peu sur les métriques puissance moteur, le pourcentage d'appui sur la pédale d'accélérateur, les accélérations longitudinales, bref, il y a plein d'options, c'est assez impressionnant. Ouais, très impressionnant, donc vous pouvez même presque choisir le circuit que vous voulez. Et puis pendant que je suis en train de sélectionner le circuit, là on peut carrément faire des chronos. Donc ça c'est plutôt pas mal et assez amusant. Donc c'est vrai qu'ils sont partis assez loin, hein, les ingénieurs et développeurs chez Mercedes. C'est plutôt sympa ce type d'attention. Voilà, donc on a vraiment des programmes dédiés à la course. Et puis ici on a aussi pareil, un programme qui permettra de voir d'un côté la puissance, 612 chevaux, et puis 850 Nm de couple disponible à bas régime à partir de 2500 tours. Donc là, on le verra de ce côté-là, avec les températures de boîte et température d'huile moteur, très important. Voilà, les consommations, voilà, 25 litres au 100, et attention, hein, j'ai fait que de la ville et j'ai pas roulé comme un fou. Et puis là, vous avez différents modes de conduite. On va les faire ici. Je vais sélectionner hop, ce petit bouton-là où je choisis mes modes de conduite. Alors, on va commencer par le plus extrême, le mode race. Là, ici, on va jouer sur tout. Hein. On va être aux extrêmes de la voiture, c'est-à-dire qu'on va avoir des suspensions très raides, une réaction moteur parfaitement réactive, enfin bref, et une boîte spécifique dédiée. Et le mode sport plus qui va être un cran en dessous, le mode sport encore un cran en dessous, le mode confort si vous voulez réaliser déjà des records de consommation avec ce V8 et surtout préserver vos vertèbres. Et enfin on a le mode individuel qui permettra de configurer aux petits oignons cette jolie E63 SAMG. Et là on a les sols glissants, vraiment conditions extrêmes, vous pouvez rouler sans problème puisqu'il s'agit d'une 4 roues motrices. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux vous faire voir d'autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, bien sûr, on a Android Auto et Apple CarPlay. On peut aller dans les réglages, des réglages. Ça, c'est les raccourcis rapides pour enlever le maintien de voix. Des choses un peu embêtantes quand on est ce genre de voiture. On a les caméras de recul, on a tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Bon, ça, c'est vraiment les menus classiques. Et il y en a plein, partout. MG63. Bon allez, c'est parti vite fait, en avant, on va voir de quoi est capable cette belle auto. On va faire une petite accélération bien sûr, on va se mettre en mode sport plus. Voilà, allez, vous êtes prêts? On se fait une petite accélération. 1, 2, 3. Wow.
proche, quoi. Et alors, c'est vrai que si vous voulez préserver vos oreilles sur des longs trajets à 130 km/h, je vous conseille de désactiver l'échappement sport. Je vais faire un petit point consommation. 130 km/h, bien sûr, sur autoroute avec les deux mains sur le volant, bien sûr. On est à peu près à 12 litres au sens, ce qui est plutôt pas mal quand on voit qu'en général, on est autour des 20 litres au 100 avec ce genre de véhicule. Je voulais juste vous montrer quelque chose. La commande gestuelle, un peu comme chez BMW, ça marche ou pas. Regardez, je fais ça, hop, et ça s'éteint. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça marche un peu moins bien quand même que chez BMW. Mais là, ici, regardez, hop, la gestuelle, ah, ça marche plus, ça marche. Et passager aussi, regardez, hop, passager. Ça, c'est cool. Après, il y a d'autres modes de gestuelle comme le son, la commande radio, quoi que ce soit. Mais ça, j'ai pas réussi à paramétrer tellement. C'est compliqué à bord. Allez, on va se refaire juste après une petite accélération. G63. À voir hein, de cette AMG de nuit, c'est voilà, vous avez des petits boutons éclairés qui permettent de sélectionner à droite les différents modes de conduite jusqu'à track. Ouais, je vais vous dire que sur autoroute, je vais tout de suite l'enlever pour faire des records de consommation. Et puis à gauche, j'ai des petites fonctionnalités comme par exemple l'échappement sport que je peux activer d'un seul coup de main. Et puis derrière, vous avez ici les sièges rétro éclairés, les sièges chauffants, les sièges aussi ventilés. Bref, c'est tout confort. Et on se croirait presque dans une classe S hein, à bord de cette Mercedes E63 SAMG. Et ce que j'aime bien, c'est la petite animation de nuit. Voilà, j'augmente le chauffage. Hop, ça joue sur l'animation de nuit. Ça, c'est vraiment sympa. C'est le côté un petit peu gadget, mais on aime, on apprécie hein, toute cette technologie hein, à bord de cette Mercedes. Très vite, je vous rappelle hein, les performances, on va se remettre tout de suite en mode consommation basse parce que je viens d'éclater presque 20 litres sur ces premiers mètres d'accélération. On va se retourner sur quelque chose d'important, les performances, on est à 3,5 secondes pour atteindre les 100 km/h et presque 300 km/h atteint en vitesse max. On a atteint aussi les 200 km/h en 11,4 secondes, réalisable bien sûr sur autoroute allemande. Voilà tout. Bon, vous avez vu ma petite accélération. Vous voyez ce gros pic où j'ai atteint le plafond là, plus de 30 litres au 100. Et ben voilà, c'est cette accélération qui a duré même pas 30 secondes. Et ben voilà, là, ça fait un gros trou dans les consommations. Bon, heureusement, de moyenne, là je roule à peu près à 120 km/h sur autoroute. Je suis à 11,3 litres au 100. On va dire qu'entre nous, ça reste quand même un peu raisonnable. 612 chevaux quand même sur le capot, un V8 bijoureux. Heureusement que parfois, j'ai le mode 4 cylindres qui s'active. Comme là, vous le voyez, le petit symbole qui vient de redisparaître. En fait, je roule sur 4 cylindres, il y a 4 cylindres qui se désactivent. 8 moins 4, ça fait 4, vous savez tout. Bon, vous le voyez pas, mais cette Porsche, je l'adore. En plus que ce soit le Porsche Taycan, c'est que les Belges, j'adore, ils peuvent personnaliser en fait leur plaque d'immatriculation. De nuit admirer, c'est tout son sens hein, dans cette vidéo. C'est écrit ETA, H-E-T-A. Bon, le propriétaire se reconnaîtra peut-être, mais je vais... Voilà, j'espère que cette découverte de nuit hein, de cette Mercedes E63S AMG vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas avec le petit pouce. Et on se dit à très vite sur la chaîne Vlog Cars Passion. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, abonne-toi maintenant, tout de suite. Et je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures, de jour comme de nuit. Ciao, ciao.